Donc on va aller rendre notre petite quête, acheter notre guidon et puis aller fabriquer notre première mini moto. Bon, je coupe un peu à travers tout. À cette époque-ci, on risque plus de faire un accident. Une petite mopette, notre petite Dax. Vu la taille que j'ai déjà du châssis, il ne doit pas être très grand. Faut pas s'attendre à une Harley Davidson. Bah, le pistolet. Alors, si tu commençais à m'acheter. Voilà, ça c'est pas mal. Et alors, j'ai dit que je t'achèterais mon guidon. C'est quand même tout de suite plus la classe. Allez, dis-moi, tu veux pas me l'acheter celui-là? Bon, si. Tu peux toujours servir à quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, je ferai attention, ne te tracasse pas. Ah bah, ils poussent nos arbres. On aurait quasi une haie. Bon, on va lancer la fabrication de la mini-moto dans la table de craft. Ah oui, il nous manque le moteur. Peut-être que j'aille le chercher. Et on récupère le moteur pour la mini-moto. Et c'est parti, construction dans 1 minute 30. Et voilà notre jolie moto. On va repenser à refabriquer des outils de crochetage. J'ai mis 340, oui. Ravitailler 34% d'essence avec 348, ce qui veut dire on peut mettre 1000 d'essence. Je vais aller ouvrir une route commerciale. J'ai pris l'argent avec. On va voir où ça va nous mener. C'est pas très rapide, mais c'est plus rapide que le vélo. Et au moins on ne s'épuise pas. Allez, à travers champs, à travers forêt. On espère juste ne pas croiser une meute de chiens, parce qu'à cette allure-là, on n'arrivera pas à les semer. Au vu de l'heure, je vais tout droit. Si j'ai un peu de temps pour revenir, je m'arrêterai si nécessaire. Ah ben, si je regarde juste ici à droite, je peux voir que ce sera dans le désert. Peut-être pas mis les vêtements les plus appropriés. Faut pas que je tombe dans un canyon ou que je m'embourbe dans le sable non plus. C'est pas le désert du Sahara, donc des fois, il vaut mieux suivre la route. Ah, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué quand même. On va essayer de éviter de se prendre un cactus. Ouh, un hélicoptère crashé. Est-ce qu'il y avait des missiles anti-aériens ici ou... Je ne sais pas. Ça, c'est assez rare. Bon. Ils vont me laisser tranquille. Voilà, rien d'exceptionnel. Oh. Bon, j'avais dit que normalement je ne m'arrêtais pas. Je prends mon petit sueur en main. C'est encore ce qui est le plus pratique une fois que les vautours nous attaquent. Et voilà notre objectif pour établir une route commerciale.
Au moins, au vu de la fumée, il y a quelqu'un. On fait un petit tour avant, voir ce que mes prédécesseurs ont oublié. Là, c'est le chemin de ronde, pas d'intérêt pour moi. De la bonne viande. Il y a tel qu'un bon carreau en pleine tête pour chasser. On récupère la viande, du cuir et de la graisse animale. C'est parfait ça. Des plombs de pêche. Dans un désert. Pas qu'on m'explique quand même. Il y en a qui s'énervent vite quand même. Toujours viser la tête. Dans un désert. J'arrive pas à récupérer les champignons. Arrêtez, je fais une petite visite avant. Autant fouiller les tiroirs. Je ne sais même pas si les derniers occupants repasseront un jour. Je pourrais même dire, je ne sais même pas si les derniers occupants sont toujours vivants. Il y aura un magazine intéressant. Ouais, c'est apprendre à fabriquer les guidons de vélo. Même si j'ai déjà un vélo. On ne sait jamais, ça peut toujours servir pour autre chose. Oh, comment fabriquer une tourelle automatique? Ah, je ne dis pas non. Est-ce qu'on va arriver à ouvrir son coffre-fort? Je dirais pas non en tout cas. Ouais, ça valait vraiment le coup. Oh, j'ai pas été voir par là. Pas de médicaments. Dommage, c'est pratique les médicaments. Ah, le comptoir, il est vide. Fais-tu avant. Atelier chimie, ça, j'aurais bien dit oui. Mais je n'ai pas les sous. Pour avoir 5000, je peux toujours y aller. On va lui acheter ça. Si. Ah bof. Il y en a du monde ici.
Oh. Toujours recharger son arme. Il est enfermé là. Oui, bien. J'ai bien envie d'aller voir ici. Oh, je crois que t'étais déjà un cadavre, monsieur, désolé. Péter un bras, et ça n'a pas arrêté pour autant. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux à la toilette? Eh, je m'en doutais. Dans l'attaque zombie, il y en a qui se cachaient dans les placards. Mais au final, ils y sont morts. Et du coup, ils sont transformés à leur tour en zombies, dans des placards. Et en soi, est complètement idiot, mais bon. Totalement vide, ces caisses. À l'échelle. Ah, ça donne accès au bâtiment d'à côté. Et on ne se casse pas une jambe, évidemment. Ça annonce la nuit. C'est pas bon pour nous, ça. Ouais.
peut-être par ici qu'il fallait aller. Pas fin de cacher. Oh, oh, comme il m'a fait peur lui. Oh. Ça, c'était une foutue frousse. T'as une bonne cachette, mon gars. Ça ne t'a pas empêché de mourir. Ah, c'est ça. Ça ne sent pas le chien. Ça s'appelle pièce mécanique. Lui, il veut pas mourir. Hein. Ah, je sais. Les tapis sur la tête pour les tuer, mais... Il bouge tellement. C'en est compliqué. Ah ouais. Bon, celui-là, on s'en fout un petit peu. Hein. Avec tout ça, j'ai c'est même plus où j'ai mis ma mini moto. Bon, on va aller revendre quelques trucs et puis on va rentrer chez nous. On essaie de looter un peu d'essence sur le chemin. Sinon, pas sûr que j'arriverai à revenir chez nous. C'est moi ou ils s'excitent tous? Je suis pas vraiment dans le bon chemin là. Ah, une station essence. Je peux demander de plus. Bon, fais gaffe quand même. Vide. Et vide. Super. Me voilà à traverser le désert en pleine nuit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Avec 17% d'essence. Waouh, waouh, d'où est-ce qu'il vient lui?
Faut pas les gens par surprise comme ça. Ah, je vais manger un petit coup. Ça me fera du bien. Voilà, c'est pour de rentrer en un seul morceau. Et en plus, on a été affecté. Foutus vautours. Transporte la peste. Oh, il est pas mort. On se dépêche de rentrer ou de récupérer de l'essence si on peut. Merde, je me suis pris un cactus. Ouais, tiens, ça tombe bien ça. Bon, c'est la nuit, on va faire gaffe aux aides. La question c'est, aurais-je assez d'essence pour rentrer chez moi? Par contre, oui. J'essaie de récupérer du miel. Pas de miel. Ça, c'est bien. J'essaie de soigner mon infection. Oh, elle m'a foutu une claque. Je pense que je vais devoir reprendre mon vélo. Et arrivé en ville, il y a plus de Z. Donc j'ai intérêt à faire gaffe. J'éteins ma lumière, car ça les attire. Ouais, quand je dis qu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. % d'essence. Il faudra vraiment que j'aménage la montée et la descente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. À activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.